Ça vous fait encore, madame la ministre? Malheureusement, non. Il y a des bouchons, il y a des paquets de chips, de M&M. On voit que ça reste encore et qu'il y en a encore des choses. Là, le plus dur, ça a été le pare-battage à sortir. On aurait bien aimé pouvoir le recycler. Alors moi j'ai deux réactions. La première, c'est que même si je sais, et même si nous savons tous malheureusement que la mer, Méditerranée, les océans débordent, étouffent sous la pollution plastique, c'est toujours très choquant. C'est toujours une émotion violente et un vrai choc qui appelle l'action, et je vais y revenir. Et j'ai une deuxième réaction aussi, qui est celle du remerciement. Remerciement et gratitude vis-à-vis de personnes comme nos deux plongeurs, qui sont de très grands professionnels, qui pourraient passer beaucoup de temps à profiter de leur art, de leur expérience, et qui, au lieu de ça, eh bien, passent des heures et des heures à aller eux-mêmes chercher ces déchets plastiques et à ensuite participer et ensuite le partager avec l'ensemble des Français, avec tout le monde, pour faire effet de lanceur d'alerte. Et c'est donc cette gratitude et aussi cette émotion choquante que je vois, et c'est ma réaction quand je vois cette.